to your favorite modern world. Bonjour tout le monde! Cyrine est une créature slave maléfique, mi-oiseau, mi-femme. Telle une sirène, son chant envoûte les hommes jusqu'à leur faire perdre la mémoire. C'est également le second album solo de Marjana Semkina, la seconde moitié du duo de I Am The Morning. L'artwork, art nouveau dans le style pictural de Klimt, représente Marjana en sirène rousse aux ailes repliées sur le corps. L'album, lui, propose trois quarts d'heure de musique vouée à la délicieuse voix de la chanteuse. 10 morceaux où apparaissent également Jim Gray de Caligula's Horse et Mick Moss d'Antimatter. Il joue également de nombreux musiciens invités de Agent Fresco, I Am The Morning ou Knife World par exemple, ainsi qu'un quatuor à cordes présent sur tous les titres. Alors j'ai eu le bonheur d'assister à la listening party de Cyrine sur Bandcamp et de dialoguer un peu avec Marjana pendant près d'une heure. Une avant-première qui m'a convaincu de m'offrir l'album et sans doute le vinyle lorsqu'il sortira plus tard dans l'année. Si vous ne connaissez pas Marjana, foncez écouter I Am The Morning. Le duo formé d'un grand pianiste et d'une voix d'ange est tout simplement magnifique. Ensuite, vous pourrez attaquer la carrière solo de la chanteuse russe. Les albums de Marjana ne possèdent pas forcément la même puissance évocatrice que ceux de I Am The Morning, mais certains titres sont de purs joyaux. Et c'est le cas, encore une fois, pour Cyrine. L'album se déguste avec bonheur et quelques morceaux sont tout simplement sublimes. D'autres fonctionnent un peu moins bien, hélas. Comme le duo avec Mick Moss, un chanteur que j'adore pourtant, tout le contraire de Anything But Sleep avec Jim Gray. En fait, je trouve que les timbres de Mick et Marjana ne se marient pas très bien. Toutefois, Death and the Maiden se rattrape vers la fin avec une très belle section instrumentale. We Are The Ocean ne me semble pas un choix judicieux pour ouvrir Cyrine, même si le titre est magnifique. Mais si vous écoutez le sombre Pygmalion ou bien Swan Song et This Silence, This Dreaming, vous comprendrez que le travail de Marjana touche parfois au génie. Ce n'est pas forcément un album qui s'impose à vous dès la première écoute. Certains titres vous touchent tout de suite, d'autres devront faire leur chemin. Évidemment, la voix magique de Marjana et la présence du quatuor à cordes contribuent beaucoup à mon plaisir. Mais attention, ils ont tendance à m'entraîner dans un délicieux songe avant la fin de l'album. Je vous recommande donc d'écouter Cyrine bien fort pour profiter de toute sa dynamique. Si Cyrine ne figurera probablement pas sur le podium 2024, il n'en reste pas moins un disque indispensable. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve lundi pour un nouvel album. D'ici là, écoutez de la musique et soutenez les artistes en allant à leurs concerts. Vous pouvez cliquer sur le pouce si vous avez aimé cette chronique et si vous voulez suivre les autres, abonnez-vous. Bisous!